Donc, bonsoir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être la deuxième partie du TP. Donc, ça concerne la génération des quadruplés. Donc, ça concerne la génération du code intermédiaire à travers lequel on va optimiser, on va générer le code, le code optimal. Donc, on va optimiser notre code. Et puis, par la suite, on va l'utiliser pour pouvoir générer l'exécutable. Qui dit ça? Dit au niveau de la table de symboles, si je vais rencontrer des variables, on n'a pas à évaluer la valeur de la variable. Si par exemple, je rencontre dans mon code un certain x égale y plus 1, je ne suis pas censé mettre dans la table de la valeur qui correspond à la variable x dans l'ATS, la valeur qui, ici, dès qu'un y par exemple vaut 5, je ne vais pas mettre dans l'ATS un 6. Donc l'initialisation, ça concerne qui, ça concerne uniquement les constantes qui sont initialisées. Ou là, une constante qui a été déclarée mais elle n'a pas été initialisée, je vais l'initialiser à la première valeur, à la première affectation qu'elle va avoir. D'accord? Donc, tout ce qui est évaluation des valeurs des différentes expressions, on va les traiter à travers l'utilisation des quadruplés lors de la génération du code exécutable, donc tout ce qui est assembleur. Donc les quadruplés, si par exemple j'ai une instruction if, une condition, a égale à 5, else, b égale à 2. Donc l'ENAIA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un certain ensemble deux quadruplés qui vont nous permettre d'évaluer la condition. Donc là, on va supposer que la condition, elle a été évaluée et on va mettre le résultat dans un temporaire temp condition. Donc temp ça concerne quoi? Ça concerne l'évaluation de la condition parce que la condition, elle peut être une expression. Donc je dois générer un certain ensemble de quadruplés pour pouvoir évaluer l'expression. Alors, pour cette instruction, quels sont les quadruplés qui vont être générés? Déjà avant ça, pour la partie déclaration, si on va déclarer des variables, est-ce qu'on va générer, suite à la déclaration des variables, est-ce qu'il va y avoir des quadruplés qui vont être générés? Suite à la partie déclaration, est-ce qu'on va avoir des quadruplés qui vont être générés? Non, madame. Non. Donc, les quadruplés, ça concerne uniquement les affectations et ça concerne les expressions, à savoir les boucles, les opérations de lecture-écriture, etc. Donc, la partie déclaration, si on aura besoin de cette partie-là au niveau de la génération du code, on va l'utiliser justement, on va utiliser la TS pour pouvoir définir le code qui correspond à la partie déclaration. Quand les variables qui existent dans la TS, ça veut dire qu'il y a donc les variables. Si on est passé par une analyse lexicale correcte, une analyse syntaxique correcte, une analyse sémantique correcte, ça veut dire que les variables qui existent au niveau de la TS, c'est les variables qui ont été déclarées dans mon code. D'accord? Donc, les quadruplés, ça concerne uniquement les instructions d'affectation, conditionnelles, boucles, lecture, écriture, etc. Donc, pour l'instruction if, on va générer les quatre quadruplés. Donc, premier quadruplé, il va nous dire quoi? Il va nous dire qu'on va se brancher vers le troisième quadruplé dans le cas où la condition est fausse. Donc, si la condition est fausse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Si la condition est fausse, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans B la valeur 2. Donc, on va mettre dans B la valeur 2. Donc, il s'agit de l'affectation de la valeur 2 à la variable B. Sinon, si la condition est correcte, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter à A la valeur 5. Et si je fais cette affectation-là, ça veut dire que la condition est vérifiée. Si la condition est vérifiée, on n'a pas à exécuter l'instruction B égale à 2. Parce que le if, si soit je vais exécuter A égale à 5, ou bien je vais exécuter B égale à 2. On ne peut pas les exécuter les deux à la fois. Parce que soit la condition est vérifiée, soit elle n'est pas vérifiée. Donc, le cas où elle est vérifiée, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter l'affectation A égale à 5. Puis par la suite,
se brancher vers la fin du if. Et la fin du if, ça se trouve à quel niveau? On l'a nommé le quadruplé numéro 4. Donc, ça va être un branch vers le quadruplé numéro 4 qui peut être une autre instruction, qui peut être le quadruplé d'une autre instruction. Donc, le kan j'ai nommé, c'est comme si l'anaya se brancher vers Q3, donc vers le quadruplé numéro 3, ou l'anaya, je vais me brancher vers Q4. Donc, hada huwa Q3 en fait. Ou le Q4, c'est le quadruplé qui suit l'instruction d'affectation B égale à 2. Claire? Donc, pour la génération des quadruplés, ce que vous allez faire, donc là, on va les afficher directement. Mais comme aide les quadruplés, on va les utiliser par la suite dans la phase optimisation, parce que l'ensemble des quadruplés qui correspondent à votre programme, ils vont être optimisés, donc ils vont être réduits. On va avoir un nombre important de quadruplés qui correspond à l'ensemble des instructions définies par le programme. Et puis par la suite, on va optimiser l'ensemble des quadruplés. Donc, afin d'organiser votre programme, je vais les afficher directement sur la console, mais tout vous allez ouvrir un fichier pour pouvoir stocker les quadruplés. Ou là, carrément, on peut utiliser une structure pour l'affichage, on peut parcourir la structure. Ou là, vous pouvez définir un fichier là où vous allez stocker l'ensemble des quadruplés. Alors, comment peut-on implémenter les quadruplés? Donc, l'implémentation des quadruplés, elle va se faire de la manière suivante. Donc, on va rajouter un fichier pjm.h. Et c'est à l'intérieur de ce fichier-là, on va définir la structure quadruplée. Donc, on va utiliser la structure la plus simple pour pouvoir stocker le quadruplé, c'est un tableau. Un tableau qui correspond le nombre d'entrées TAO, c'est le nombre d'instructions, en fait. Donc, au niveau flex, on va juste rajouter le include pjm.h. Pjm.h, c'est le fichier qui va contenir la structure quadruplée. Maintenant, au niveau des instructions, donc comment peut-on définir donc les quadruplés au niveau de la grammaire? Donc au niveau de la grammaire, où kan adna if, l'instruction if c'est quoi? C'est le mot-clé if suivi par les parenthèses, condition, instruction d'affectation, mot-clé else, suivi par instruction d'affectation. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, en quelque sorte, rajouter des routines qui vont me permettre de faire la vérification. Donc, si j'arrive à la fin de la condition, je dois rajouter la routine R1. Et la routine R1, elle va me permettre de vérifier quoi? Elle va me permettre de vérifier le résultat de la condition. Si la condition est juste et vraie, ça veut dire que je vais exécuter l'instruction d'affectation. Si l'instruction est fausse, je dois me brancher vers l'instruction d'affectation, vers le else en quelque sorte. Donc, en quelque sorte, on va décomposer la règle afin de pouvoir rajouter les routines d'Yaouna. Donc, faites le cas où j'ai trois routines. La première routine, elle va me permettre de vérifier la condition. La deuxième routine, elle va me permettre de me pointer vers la fin de l'instruction else. Et la troisième routine, c'est pour pouvoir stocker le quadruplé. Donc, mentionner la fin, parce que c'est ce quadruplé-là qu'on va utiliser pour le mettre la fin BZ en fait. Claire jusqu'au là? C'est bon? En fait, réellement au niveau de votre syntaxe, au niveau de votre grammaire, si je vais définir l'instruction if, je vais la définir de cette manière-là. L'instruction if, c'est quoi? Voilà. L'instruction if, elle va être écrite de cette manière-là. Réellement, on va l'écrire de cette manière-là. Le mot-clé if, suivi par parenthèse, entre parenthèses, on dit les conditions, on dit l'instruction d'affectation, mot-clé else, on dit l'instruction
la deuxième instruction d'affectation. Donc, si je veux créer les quadruplés, donc les quadruplés, ils vont nous permettre de faire quoi? C'est le code intermédiaire qui va me servir à générer le code exécutable. Donc, idem, on va exécuter cette instruction. On va vérifier réellement est-ce que la condition s'évalue à vrai ou bien à faux. Si elle va s'évaluer à vrai, ça veut dire que je vais exécuter la première instruction d'affectation. Si elle va s'évaluer à faux, ça veut dire que je vais sauter la première instruction d'affectation et je vais me pointer directement vers la deuxième. Maintenant, comment peut-on implémenter ça au niveau de la grammaire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer de la grammaire. On va décomposer de la grammaire afin de pouvoir, à la fin de chaque partie, faire le test. Donc, après la condition, je vais rajouter une routine. Juste ici, on va rajouter la routine R1. La routine R1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me permettre, en quelque sorte, de vérifier ça. Parce que qui trace la condition? Même si on a la valeur, tu as le résultat, tu as la condition. Est-ce qu'elle est à vrai ou bien à faux? D'accord? Donc, au niveau de la routine R1, on va tester la condition. Si la condition est égale à vrai, si le quadruplé, enfin, l'instruction conditionnelle s'évalue à vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exécuter l'instruction d'affectation. On va exécuter directement le quadruplé suivant. On va se pointer ici. Mais si elle est à fausse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me pointer vers l'instruction d'affectation, la deuxième. Donc, je dois me pointer à ce niveau-là. Donc, en quelque sorte, si on va faire la grammaire, donc je vais la décomposer en R1. Donc, l'instruction R1, ça va être quoi? C'est comme si on dit instruction if est égale à B, instruction d'affectation. Bada, le B, c'est quoi? C'est le A. C'est le A et le A, ça va être mot-clé if suivi par condition. Donc, la deuxième routine sémantique, elle va me permettre de faire quoi? À la fin de la première instruction d'affectation, je dois me pointer vers la fin. Parce que la deuxième instruction d'affectation, elle va s'exécuter que si la condition est fausse. Idetre, ça veut dire que j'ai exécuté la première. Donc, je dois me pointer directement vers la fin de l'instruction if. Et au niveau de la troisième routine, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder le pointeur pour pouvoir ajouter head la valeur, pour pouvoir rajouter head la valeur, numéro du quadruplé. Parce que quand je connais le numéro du quadruplé, il connaît à la fin de l'instruction if. Donc, la routine sémantique R3, c'est elle qui va me permettre de récupérer la routine R3, c'est elle qui va me permettre de récupérer le pointeur vers la fin de l'instruction if. Donc, si on va décomposer l'instruction, qu'est-ce qu'on va obtenir? If instruction, kent hagda, on va la décomposer en plusieurs parties. Donc, je vais vous dire, B, le mot-clé else, instruction d'affectation. Et juste après, je vais lancer la routine R3 qui va me permettre de mettre à jour le pointeur vers le quadruplé. Donc, le prochain quadruplé, ça va être Q4. Ensuite, le B, c'est quoi? Le B, c'est A, suivi par une instruction d'affectation. Je dois lancer la routine R2, le traitement R2. Le traitement R2, chez Rolli, il voilà, j'ai exécuté l'instruction affectation. Donc, je n'ai pas à exécuter le else. Donc, je vais me brancher vers la fin. Ensuite, A, c'est quoi? C'est le mot-clé if, suivi par les parenthèses. Entre parenthèses, indique la condition. Et là, je dois mettre la routine R1. La routine R1, qu'est-ce qu'elle va me permettre de vérifier? Elle va me permettre de vérifier le résultat obtenu par les quadruplés de l'instruction de qui se trouve au niveau de la condition. Si elle est à vrai, je vais exécuter directement l'instruction d'affectation. Si elle est à fausse, je dois mettre, en fait, ici, je dois mettre le numéro du quadruplé qu'on avait sauvegardé au niveau de R3. Est-ce que c'est clair? Pardon. Oui?
Donc, كيفاش نتستيو بليك لا كونديسيون اللي فري زعما لو كان عندنا في كونديسيون او سوبيريور او بي كيفاش نتستيو بليك او سوبيريور او بي générer un quadruplé. Donc, vous devez utiliser vous devez générer le quadruplé qui va te permettre de faire le test. تما فيه في Utiliser. كوادريبلي هذاك اللي فيه بي زاد باغ اكزومبل وكذا تما اللي رانا نفيريفي بلي كسي Ben, سوبيريور ولا لا en fait, je vais tester une condition, mais je vais dire la différence. On utilise une variable, on peut utiliser une variable temporaire pour avoir le résultat. Alors, par exemple, je veux tester A est supérieur à B. Réellement, je vais dire A moins B. C'est ça, en fait. Réellement, je vais faire A moins B. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que l'instruction, que la condition, elle est high. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que elle va s'évaluer à vrai, sinon elle va s'évaluer à faux. L'idée, c'est quoi? C'est qu'avec le résultat, on ne va pas l'obtenir au niveau, on va pas l'obtenir au niveau des quadruplés, au niveau, voilà, au niveau des quadruplés. On va l'obtenir lorsqu'on génère le code intermédiaire. Réellement, c'est ça. Oui, madame, les valeurs telles les variables, il n'y a pas de nage là, non? Les valeurs telles les variables, mais qui non c'est l'exécutable. C'est pour ça qu'on prend en considération quand même les cas possibles. C'est pour ça qu'on dit que la condition est vraie, on va exécuter le quadruplé. Ça a réellement autre chose, on va générer. Alors, on va générer, qui va générer le code, qui va générer l'exécutable. Donc, pour le moment, je vais avoir un certain ensemble de quadruplés avant, les humains évaluer la condition. Si le message est passé. Oui, tu m'as fait C'est-à-dire que je vais avoir l'instruction d'affectation, elle est représentée par un seul quadruplé, l'affectation. La deuxième instruction, c'est aussi une affectation. Pareil, lorsqu'il s'agit de la condition, la condition, ça peut être aussi une affectation dans une valeur booléenne. T'as le résultat, t'as la différence. On peut le traduire par des quadruplés. Claire? وي انا حسب ما فهمت في ليطاب تاع لي كود دو ريبلي ما نقدرش نفيقو اذا رانا جوست كي نديروها حتى تنديرو اكزيكوت ما تقدرش تفيق باللي راك جوست حتى دير ليكزيكوسيون. لو كان نحب نيفالوي ا سوبيريور ا 5 راح ندير ا موان 5. دونك انا لا فالور تاع ما عنديش حتى كي نروح ندير ليكزيكوتابل. دونك واش راني رايحه نقول له؟ انا رايحه نقول له ا موان 5 ومن بعد نيتوليزي لي برونشمون البرانش. اذا كان ا موان 5 سوبيريور ا 0 دونك عندنا هذاك نورمالمون بي جي سوبيريور او ايكال ا 0 بي جي نورمالمون. دونك جو في مو بوينتي فيغ معبيش لافيكتاسيون دو لا فالور ترو ا لا فاريابل 1 par exemple à la variable. Oui, d'accord, false, je vais mettre dans la variable temporaire un 0. On peut la traduire de cette manière-là. Oui, C'est donc comme si on dire moins, mais bien A ou le B, mais bien la première partie de la condition et la deuxième partie de la condition. Le résultat, on valeur temporaire. On va faire la variable temporaire, on va utiliser branch. La valeur qui existe dans la variable temporaire est supérieure ou égale à 0, donc c'est vrai, la condition est vraie, je vais exécuter l'instruction qui permet d'affecter un 1 à la condition, compte. Oui, dès qu'elle est supérieure, inférieure à 0, je vais mettre un 0. Donc, tous les pour évaluer la condition, il y a un certain ensemble de quadruplés. On a supposé que c'est bon, on a fait les quadruplés où on dit la valeur là, soit 0, soit 1, soit vrai, soit faux. On a fait le code exécutable, on a fait le générer l'exécutable, un certain ensemble de quadruplés pour évaluer la condition. Oui, Claire? madame. Oui, ou même les opérateurs arithmétiques, l'exécution, Oui, même les les tests. opérateurs arithmétiques. Oui, même Lucan, par exemple.
جي سوبوزي كو عندي لهنايا عباليش انايا ان سارتان مومون هذا واش كنت هذا واش حكيت في الديبي كامل بارابور لي ستوديون تاع ولا بارابور لو بروجي اللي درتو اللي كنتو اللي كانوا سارتان ستوديون يديروا في الليسونس كي نلحقوا بارفوا لسارتان ستوديون يضيعوا بزاف وقت ا اكزيكوتي سا باغ اكزومبل عندي اكس ايغال ا 12 بعد ان سارتان مومون ايغريك ايغال ا 7 Y égale à 7, بعد عندو لهنايا A égale à A X divisé par 5 plus Y. Certains étudiants, ils diront, ils iront sur la table de symbole qui chauffe X, initialiser X à 12. Y, c'est une variable, initialiser à 7. بعد un certain moment, qui dit لهنايا هاد A, ils iront calculer هاد la valeur. Il va calculer هاد la valeur ou il va la mettre au niveau de la TS. حنا نو هاد لا بارتي ما نديرهاش في هاد ما نديرهاش اش مومون لا هاد لا بارتي ال با تيتر جينيري اوتوماتيكمون بار ليكزيكوتاب سي بور سا كنا نقولو في تروازيام اني سي جو في اون ديفيزيون قال بار اكزومبل ايغريك سي اون فاريابل ايغريك سي اون فاريابل ماشي كونستون جي ديكلاري ايغريك انت ايغريك بعد ان سارتان مومون ايغريك عطيت له لا فالور زيرو ولا قلت ليكسبريسيون ايغريك ايغال اكس موان اكس بعد ان سارتان مومون نجي لهنايا نقولو ديفيزي بار ايغريك سارتان ايتوديون كان يقولوا في لي روتين سيمونتيك يقولوا لهنايا في لي زيرور سيمونتيك يقولوا هادي سي اون ايرور سيمونتيك اون افي دي كو هنا ماشي اون ايرور سيمونتيك باسكو هاد الايغريك سي اون فاريابل لور دو لا كومبيلاسيون اون ني با سونسي سافوار كالي لا فالور دو ايغريك ما على باليش ال بو فاريي سي اون فاريابل باسكو la compilation, la phase compilation, قبل ما نجيني ليكزيكوتابل، ما على باليش هاد الإيكغيك واش هو لا فالور ديالو، حتى نجيني ليكزيكوتابل، باش إذا كان إيكغيك إيكال أ زيرو، جو في أفواغ أون إيغور ديكزيكوسيون، إي نو با أون إيغور دو كومبيلاسيون، باسكو ريالمون جي با إيفالوي لا فالور دو إيكغيك، ماشي كي كان عندي إيكغيك هنايا زيرو، ولا إيكغيك إيكال إكس موان إكس، عبالي بلي هاد الإكس هاد الإيكغيك إيكال أ زيرو، جو با سونسي تسافوار. كلير Oui, madame, oui, merci. باغ كونتر لو كان نقولوا لهنايا ايغريك كونست هادي سي اون كونستانت ال دو با شونجي دو فالور دونك اذا قلت له لهنايا ان سارتان مومون جدي انيشياليزي هنا ولا قلت له كونست ايغريك ايغال ا زيرو قلت له ايغريك ايغال ا زيرو ومن بعد هذاك الايغريك جا لهنايا قال لي ديفيزي باغ ايغال نقول له نو هنايا سي اون ايغور سيمونتيك باسكو هاد الايغريك سي اون كونستانت اي دوا با شونجي دو فالور تو لو لون دو مون بروغرام سي بور سا اون فو دي كو نيفو دو لا تي اس اون ني با سونسي ايفالوي لي اكسبريسيون لي اكسبريسيون اي فون تيتر ايفالوي بهاد لي كوادروبلي بعد هاد لي كوادروبلي اي فون فو بيرميتر دو جينيري لو كود اكزيكوتابل في الكود اكزيكوتابل لوي دونك كيف كيف لا كونديسيون هادي سي اون اكسبرسيون فو بوفي ليفالوي نكريي لها لي كوادروبلي تاعها بون نقدر نديفيني الكوادروبلي كوم ايتون اون اوبيراسيون دو سوستراكسيون اونتر لو اونتر لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي اذا كان عندي اكس سوبيريور ا 5 باغ اكزومبل اذا كان عندي اكس سوبيريور ا اكس بلس 1 دونك جو دوا ديفينير قبل لي كوادروبلي تاع اكس بلس 1 باش من بعد راني رايحه نديفيني لا ديفيرونس دونك جو بو ايماجيني هذيك لا كونديسيون كومي طون اون سوستراكسيون ومن بعد نجيني لها لي كوادروبلي تاعها راح نجيني لي كوادروبلي تاع اكس سي كوم سي عندي اكس معليش فالور تومبوغيغ تايم كوند ايتيغال ا اكس موان 5 ومن بعد جو في فير دونك في لي كوادروبلي عندكم لا بوسيبيتي دو دير سي لا كونديسيون اي سوبيريور او ايغال ا زيرو Ça veut dire que je vais mettre dans temp cond la valeur 1 pour dire qu'il s'agit de vrai. Ou là, je vais mettre V. Si non, ça va être, elle va avoir la valeur 0. Tous les lycées concernent, il y a un if d'ailleurs. D'accord? Et puis, qui nous a fait la partie? Je ne sais pas si je suis dans le temp. Je suis dans le temp. عندي قبلها دي كوادروبلي كي فون مو بيرميتر دو فيريفي لا كونديسيون ديفالوي لا كونديسيون لي كوادروبلي اي نو با لو ريزولتا دونك من بعد هاد لو كوادروبلي ديبون دو لا فالور دو تيمب كاند اذا كان لا فالور كون فا ميتر دون هاد لا فاريابل تومبوريير فري سا فو دير كو جو في اكزيكوتي لو كوادروبلي نيميرو 1 اونسويت كون جو لو تيرمين
je ne suis pas censée exécuter celui du else. Donc, je vais faire un brèche vers la fin. Je vais me pointer vers la fin de l'instruction. Donc, pour le moment, nous allons dire le quadruplé 5. Ouais, ça va être le numéro du quadruplé de la prochaine instruction, en fait, réellement. Parce que le programme TRI, c'est une suite, ou là vers la fin. Sinon, je vais exécuter, ce qui existe au niveau du else. Claire? Oui, madame, oui. Merci. Je vous en prie. Donc, comment peut-on faire la vérification? Donc, je crois qu'on a flagrammaire syntaxique d'IENA, l'instruction if kent mktouba hakda. Donc, amenou lish mktouba hakda, comme si je vais la décomposer afin de pouvoir faire les traitements nécessaires. Donc, l'instruction if, qu'est-ce qu'on définit comme un nom terminal qui s'appelle B, suivi par le mot-clé else, l'instruction d'affectation. À la fin de l'instruction d'affectation, qu'est-ce que je dois mettre à jour le numéro, tu as le pointeur. Le pointeur, qui est le pointeur, ça veut dire head les numéros. Q0, Q1, Q2, Q3. Qui est en quelque sorte, je dois sauvegarder la position telle QCTI. Donc, B, ça va être A, suivi par instruction if, instruction d'affectation. Qui est c'est comme si on allait dire go to, bref, je vais exécuter le quadruplé. Branch to Q4. Et au niveau, à la fin de la condition, je vais vérifier le résultat de la condition. Donc, je vais mettre en quelque sorte au niveau de la condition, je vais vérifier la condition. Donc, c'est comme si on allait dire exécuter. L'instruction, voilà, dire BZ Q3 si la condition est égale à fond. Alors, on avait dit qu'on va utiliser une structure. Avec la structure, on va la définir dans un programme qui s'appelle pgm.txt. Donc, au niveau de la partie bison, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais décomposer l'instruction if en trois parties, donc 1, 2, 4 parties. 1, 2, 3, 4. Comment on va faire? Donc, je vais utiliser la condition. Je vais utiliser la structure quadruplée, c'est un tableau de structure. Qu'est-ce qu'il va avoir comme paramètre? Le quadruplé, comment on l'écrit? On l'écrit comme étant opérateur. Opérant ou la quadruplée, opérant 1, opérant 2 et le résultat. C'est ça. Opérateur, opérant 1, opérant 2 et le résultat. Donc la structure telle quadruplée, elle va être ça. L'opération, opérant 1, opérant 2 et le résultat. Donc la structure, ça va être un tableau. Donc vous pouvez utiliser les piles, les listes, peu importe. On va utiliser un tableau de structure. Pour chaque enregistrement ou là, chaque élément de ce tableau-là, il va contenir les valeurs Kamel. Et QC, ça va me permettre de récupérer ici un pointeur qui va me permettre de déterminer le numéro de l'instruction. Donc, Inji, au niveau de l'instruction, donc à ce niveau-là, je vais déclarer le QCTI quadruplé est égal à 0. Début tel else est égal aussi à 0, ou la fin tel if, ça va être est égal à 0. Donc, il nous donnera l'instruction. Réellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire B. Maintenant, qui est le haqq là en quelque sorte? Donc, déjà, j'ai exécuté ça en fait. Qui est le haqq B? احنا بدنا نقراها من A معناتها الديبي تاع لانسكريبسيون تاعي راح يكون من A ريالمون نكتبها انفيرسومون بصح لهنا انا كي نلحق لانسكريبسيون affectation tel else. Ça veut dire que quand juste à le nom terminal B, avant, qu'il y a juste à le nom terminal B, qui fait mktoub A, instruction d'affectation. Ça veut dire que juste déjà là, A, elle a le nom terminal A. Donc, nous, on chauffe le nom terminal A, c'est quoi? Eh bien, si vous arrivez à voir les diapos, qu'il y a le nom terminal A, c'est quoi? C'est le mot-clé if, suivi par la condition. La condition, vers la fin, c'est une valeur.
Donc, je vais mettre à jour le début tel else. J'ai utilisé un pointeur qui va me permettre de dire où je mets le quoi de l'uplier. Donc, début else, il va être à 1. Donc, je vais garder ce début Kamel qui connaît. On va se pointer vers la fin. Si on va se pointer vers la fin, donc l'ENAYA, on doit mettre à jour par head la valeur. Après, quad, où ça n'est l'opération, c'est quoi? Il délhaque la condition. L'opération, ça va être quoi? Branch, if la condition est égale à 0, if la condition est fausse. Vers quel quadruplé? On ne sait pas pour le moment. Parce que هذا وين بديت l'instruction تاعي ما على باليش وين راهو ال end ما على باليش وين راهو ال end تاع ال وين راهو ال end تاع ال if. مازال ما عنديش هاد l'information. Vous êtes d'accord? مازال ما عنديش l'information لهنايا. هاد البي زاد وين يقول لي روحي؟ جو في مو بوينتي فيغ لا فان تاع واش؟ جو في مو بوينتي فيغ لا فان فيغ لو كوادروبلي تاع 3 بي زاد فيغ فوالا فيغ كيو 3 فيغ ديبي تاع الالز. بصح انا ديبي تاع الالز مازال ما عنديش برانسيب. سا سي لو ديبي دو الز. Donc, mazal ma عنديش. Donc, في début كامل, je vais mettre la valeur à vide. Parce que mazal ma عنديش début تاع الالز, c'est quelle valeur. Donc, je vais mettre le champ à vide. Claire? Oui, maintenant. OK. Mbad. Je vais remonter à A. Donc, il y a l'instruction d'affectation au niveau de la routine, au niveau du B. Au niveau du B, qui est la routine, l'aide de la routine sémantique, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire que j'ai exécuté l'affectation. Donc, j'ai exécuté l'affectation. Ça veut dire que j'ai terminé l'affectation. Donc, fin if, je vais mettre la valeur QC dans fin if. Après, au niveau du quadruplé, qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais exécuter le, je vais exécuter le branchement vers la fin. Donc, je vais faire un branchement vers la fin. Mazal ma عنديش la fin, elle se trouve à quel niveau? Mazal ma عنديش la fin, elle se trouve à quel niveau? Vide, vide. Après, je pense que je. Eh. Donc, lehnaya, mazal ma عنديش. Bsah, lehnaya, je peux mettre à jour le quadruplé. Parce que qui est le haq lehnaya, عندي donc à la valeur. La valeur تاع début تاع الالز. Début تاع الالز وقتاش يبدا؟ يبدا في la fin تاع الاف. Donc, نقدر نجي لهنايا ندير la mise à jour. Donc, je vais mettre à jour le quadruplé هذا par quoi? Par début تاع الالز. سي كوم سي راح نجي لهنايا نحطو لهنا كيو 3. عباش سي vous voyez ça ou pas. كي نلحق l'instruction. Instruction d'affectation. Ça veut dire que j'ai terminé le if. On est rentré dans le else. Donc, fin if, ça va avoir la valeur QC. Je vais générer le quadruplé qui va me permettre de me brancher vers la fin de l'instruction if, vers la fin, vers la prochaine instruction. Après, j'ai la possibilité de mettre à jour head leçon. Donc, head leçon, je vais le mettre à jour à quel niveau? Je vais le mettre à jour à ce niveau-là. Head leçon, je vais le mettre à jour à ce niveau-là. Parce que qui est le haq qu'on a une possibilité de savoir de savoir le numéro du quadruplé ta début ta else. Donc l'hnaya QC il va contenir la valeur ta le la valeur qui va me permettre de définir le numéro tel le quadruplé. Donc, je vais mettre à jour, je vais utiliser une fonction, définir une fonction qui va me permettre de mettre à jour head le champ, l'ancien quadruplé. Donc, par quelle valeur? Par la valeur temp. Quel est le champ que je vais mettre à jour?
Si le deuxième, si le premier opérateur, c'est l'opérant 1. Donc, un autre le zout, 2, ça veut dire que c'est ça. Claire? Oui, madame. Au niveau maintenant, au niveau de la routine R3, donc au niveau de la routine R3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à ce niveau-là. Donc, donne la condition. Donc, au niveau de R3, ça veut dire qu'on vient de rentrer dans le else. Du coup, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre à jour. Donc, je vais récupérer la valeur telle que seule et je vais mettre à jour quel quadruplé. Donc, faites le cas. Je vais mettre à jour le quadruplé, en fait. Parce que là, je mets tout à vide. Donc, عندي la fin. عندي la fin tel if. عندي la fin tel if. Donc, je vais mettre à jour le quadruplé. Donc, là, il va me permettre de mettre à jour le premier. Il va me permettre de mettre à jour ça. Et celui-là, ça va me permettre de mettre à jour Heda. Donc, Heda, il va me permettre de mettre à jour vers quel quadruplé je vais me pointer si la condition est fausse. Donc, si la condition est fausse, je vais me pointer vers le début tel else. Ou début tel else, à quel niveau je vais le reconnaître. Heda, l'instruction, il va avoir la valeur. Mais je ne peux pas le faire là. Mais je n'ai pas le QC. Donc, oui, je vais avoir la valeur. Je vais le mettre à jour à la fin. Parce que ça va être un QC. Ça, avec le QC, il dépend de la fin de l'instruction if. Je serai sûr que je suis à la fin du if. Et dès qu'on juste à l'instruction d'affectation, la dernière instruction d'affectation qui se trouve dans le bloc instruction. Et puis par la suite, au niveau de la première, au niveau du R3, je vais mettre à jour le quadruplé tel fin if. Pourquoi je ne connais pas les belles fin if? Il doit qu'on exécute l'instruction. Il doit qu'on exécute l'instruction else. Alors, la fonction quad, ça va me permettre en fait. De mettre à jour, soit l'opération, soit l'opéron 1, soit l'opéron 2, soit le résultat. Et à chaque fois qu'on va rajouter un quadruplé au niveau de la structure, on va incrémenter le curseur, le QC de 1. Void mise à jour. Void mise à jour, ça va dépendre du paramètre qu'on va rajouter ici. Idaqot bli égal à 0, ça veut dire que la mise à jour, c'est l'opération. Idaqot 1, ça veut dire que je vais mettre à jour l'opéron 1. Idaqot 2, ça veut dire que je vais mettre à jour l'opéron 2. Idaqot 3, ça veut dire que je vais mettre à jour le résultat. Donc, on va d'abord définir le quad. Ça veut dire que je vais rajouter dans le tableau Tari le quadruplé. Et je vais en quelque sorte incrémenter le curseur qui est pointillé vers 0, qui est pointillé vers le prochain. Donc, on va définir de cette manière-là. Chaque élément, le tableau quad. Chaque élément, il va contenir une structure. L'opération opérant 1, opérant 2. Et résultat. Donc, par quelle instruction on va commencer? On va commencer par évaluer la condition. Quand j'ai évalué la condition, je début else, ça va être un 0 parce que QCTR est à 0. Ensuite, je vais mettre dans head le quadruplé, dans head la ligne, je vais mettre head les trois valeurs. J'ai le head la ligne, je les trois valeurs. Donc, l'opération CBZ, Malabelish, où je vais me pointer si la condition est fausse, c'est bon.
Après, عندي لهنايا لو كيوسي تاعي تيغال à combien؟ تيغال à zéro. Parce qu'il est initialisé, QC ديالي, il est initialisé à zéro. Mais le début S ديالي, pour le moment, il vaut combien? Il vaut zéro. Parce que mazal ma. Parce que je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore modifié. Donc début L, ça va contenir le zéro. Mais là, le truc, voilà. C'est bon. Après, donc quad ada ou chdeli. Quad, ça va me permettre de faire. Et elle va me permettre d'incrémenter le curseur de 1. Donc là, il y a une fois terminé, QCTR, Hiulili 1. Après, je vais exécuter la deuxième routine. La deuxième routine, je vais trouver le curseur TR, ou fin if, ça se trouve à quel niveau? Fin if, ça va contenir quelle valeur? La valeur du fin if L2, ça va être à combien? شحال راهو كيوسي؟ سي الكاتريام الفان كاع الاخر لا لا، هذا يا فان اف، سي لا كونديسيون اي فيريفي. كي نقول فان اف، سا فو دير راني هنا. فان اف سا فو دير راني هنا. فان اف سا فو دير راني هنا. سي لانستركسيون، سي لا كونديسيون اي فري، معناتها هنايا تما دي بي بريس ألز. ديبيوت تاع الالز. فوالا ديبيوت تاع الالز. دونك لهنايا فان اف واش راح يكون فيها؟ راح يكون فيها لا فالور 1، باسكو الكورسور تاعي سي انكريمونتي اوباغافون دو 1. دونك فان اف ديالي راح تكون 1. كيس جو في فير اوسي؟ جو في ميتر دون كواد هاد لا فالور. دونك جو في ميتر هاد لا فالور. سينو سينو تشوفوا، نحطها هكذا دقيقة بركة. Donc, on avait dit qu'on va commencer par là, en fait. On va commencer par là. Le fichier Tana, donc, début Kamel, quand je vais rentrer, qu'on a appelé quad, on va utiliser une structure qui va contenir un tableau de structure où chaque case de mon tableau, elle va contenir un quadruplé. Les informations telles quadruplé, ou l'opération, l'opérant et le résultat. Donc, il bda kamel, l'instruction ta imna ni raha nbdaha moukli if. Ben, je vais évaluer la condition. Quelle est l'évaluation de la condition? Donc, je vais supposer que la première case. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? Début tel else, je vais le mettre à combien? Début tel else, il vaut 0 pour le moment. Mais on dit la valeur d'yellow. Parce que là, on a fait l'instruction taille. Et on l'a initialisé sur le programme Tana. Que ce soit début else ou le fin if, que ce soit le fin if ou le début else, on l'a initialisé à 0. Donc, début tel else d'yellow, il y a la fin de l'instruction. La fin de l'instruction, le bloc d'instruction, si la condition est vérifiée, est égal à 0. Après, je vais mettre dans la case les quatre informations. Donc, les quatre informations, c'est quoi? L'opérant, ça va être un BZ. Je vais me brancher vers quoi, quel quadruplé? Je ne sais pas. Puis, par la suite, les deux autres, ça va être vide. Vous êtes d'accord? Donc, Hadi, c'est la première case. Bon, là, c'est la condition les rahendira. Hadi, il y a la première case, c'est la tableau d'Yali. Après, je vais évaluer le A, le nom terminal. Le nom terminal, on l'a évalué, le nom terminal B. Le nom terminal B, où chez Rolé? Je vais mettre à jour fin if. Fin if, il va être à combien? Fin if, je vais le mettre à 1. Alèche. Parce que
Quand je vais appeler la fonction quad, automatiquement, je vais incrémenter le QC. Donc, fin if, elle va avoir quelle valeur? Elle va avoir pour le moment la valeur du QC qui est le 1. Parce que je l'ai incrémenté de 1. Ensuite, je vais mettre à jour le quadruplé. Je vais insérer le quadruplé BR. Donc, je vais mettre l'ENAIA. Le quadruplé BR. Donc, BR. Je vais me pointer vers quel je vais me brancher vers quoi, quel quadruplé, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore information. J'ai donc fait début qui est en fait. C'est comme si j'ai exécuté ça. C'est-à-dire la première instruction que j'ai faite. Ensuite, dert br. Quand j'exécute l'instruction, le QCI va s'incrémenter de 1. Incrémenter QCI de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir quelle valeur? Il va avoir la valeur. Il va avoir quelle valeur? Il va avoir Deux. QC, il va avoir la valeur 2. Donc là, après head l'instruction, je vais avoir un QC égal à 2. Ensuite, je vais mettre à jour le quadruplé début else. Donc début else d'Ali, il va avoir quelle valeur? Donc, Kinroulou 1, ça veut dire que je vais mettre à jour le champ opérant 1 par la valeur début else. C'est comme si on allait aller là. Début else. Le quadruplé numéro. Le quadruplé numéro début else par le champ qui existe dans le temp. Donc, début else, c'est quel quadruplé? C'est le quadruplé numéro 0. Je vais mettre à jour l'opérant. Enfin, je vais mettre à jour le champ 1 qui correspond l'opérant 1 par quelle valeur? Par la valeur qui existe dans le temp. Donc, je vais mettre l'ENAIA, la valeur 2, en quelque sorte. C'est ça. En principe, c'est ça. Ensuite, mettre à jour le quadruplé, ça veut dire que je vais l'incrémenter de 1. Donc, il met la mise à jour. Parce qu'au niveau de l'instruction mise à jour, je vais incrémenter le QC de 1. Non? Là, c'est bon. Donc, oui, donc c'est bon. On ne va pas l'incrémenter. Donc, c'est à 2. La deuxième instruction, l'instruction suivante. Donc, le troisième quadruplé. Donc, il y a le quadruplé numéro 0. Ben, on va avoir le quadruplé numéro 1. Ben, le prochain quadruplé, ça va être le quadruplé numéro 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter le quadruplé. Donc, je vais sauvegarder dans le temp le numéro du quadruplé. Donc, temp, il va recevoir la valeur 2. Rajouter le quadruplé fin if. Donc, rajouter le quadruplé fin if. Donc, il s'agit de quelle opération? Donc, c'est l'affectation, en principe. Mettre à jour. Je me suis perdue là. J'ai oublié l'instruction. Enfin, j'ai oublié la troisième routine à ce niveau-là. J'ai oublié la troisième routine. L'instruction, c'est à ce niveau-là que je dois mettre à jour. Normalement, c'est à ce niveau-là que je dois mettre à jour la troisième routine. L'instruction d'affectation. Donc, les else, instruction. Donc, les else instructions d'affectation, c'est la routine F3.
Je vais faire l'instruction d'affectation. Dès l'instruction d'affectation, je vais mettre à jour ça. واقيلا خاصة انكريمونطاسيون مدام باسكو هكدا يروح للدوزيام فان اف ما خصتش انكريمونطاسيون، خصوني لي كوادروبلي تاع لي زوبيراسيون تاع لي زافيكتاسيون. خصوني لي زوبيراسيون تاع لي زافيكتاسيون باسكو اون برانسيپ هنا جو في ايفالوي لا كونديسيون. دونك جو في ميتر اجو جو في جو في راجوتي لو كوادروبلي دو لا كونديسيون هذايا بي زد. خلاص اون لا مي ا سي نيفو لا، اون لا راجوتي، اون ا انكريمونتي كيو سي ديبي في كيو سي ولا لي 15-0. Et QC, après l'instruction, il va devenir 1. Maintenant, le prochain quadruplé, ça va être le quadruplé numéro 1. Vous êtes d'accord? Après, si je fais le if, si je fais le si, si je fais le if, maintenant, je vais évaluer head if condition. Donc, les if condition, ça va. Et voilà. Donc, l'instruction suivante, ça va être quoi? Ça va être l'instruction d'affectation. Qu'il hack l'instruction d'affectation. Qu'il hack l'instruction d'affectation. La fin if, ça va être le QC. Donc le QC, ça va être quoi? Ça va être la valeur 1, en principe. Parce que Mokbel 15, 0. Donc le QC égale à 1. Le quadruple, ça va être BR. BR. On va ça où est d'ailleurs on l'a pas rajouté je me suis perdue attendez comment on va lire l'instruction. Mot-clé, condition, instruction d'affectation, else, instruction d'affectation. Donc, il y a là. Mot-clé, condition. Donc, mot-clé, condition, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, mot-clé, condition. Donc, je vais mettre à jour, je vais rajouter le BZ. Donc, bizarre de ma révélation, je suis normalement allé à l'école, tu vas pointer vers le troisième quadruplé. Donc, elle a la valeur 3, elle a mis le même. Donc, je ne peux pas la mettre à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je vais exécuter? Avant d'appeler condition. Donc, les conditions. Après, je مدام ف نديرو زوج لي كوادريبلي في هاديك تاع البي قبل البير نزيدو واحد تاع افيكتاسيون لا يا مور الفان اف هاديك في البي وي الفوق في الديبي تاع دوك نورمالمون تما نديرو قبل البير نزيدو كوادريبلي تاع l'affectation. باش يكون ايه نورمالمون تما صح لو كان نقول بلي نزيدها دونك لهنايا هنايا هنايا كوادروبلي نيميرو 1 دوكو كي ندخل ندير الكوادروبلي تاع لافيكتاسيون اللي هو ايغال اونسويت جو في راجوتي لو بي ار ومن بعد جو في ميتر اجور دونك يولي لي نيميرو 3 اي افيكتيفمون. دونك لهنايا اللي راني رايحه نزيد الكواد تاع لافيكتاسيون. دونك لهنا اللي راني رايحه نزيد جوست افون ça là on n'a pas rajouté instruction d'affectation parce que je l'ai pas défini. Ah là là parce que parce qu'on a dit d'aimer l'instruction d'affectation donc on a dit à instruction d'affectation. Donc l'instruction d'affectation, qui est le hack là je dois rajouter le quad. C'est comme si là on est en train de
C'est comme si je vais rajouter à ce niveau-là le quadruplé et quad opération opérant. Oui, c'est la même chose. Opération. Non. C'est la même chose. Kifash? قدر نديرها في البي، قدر نديرها في البي كيف كيف. نقدر نديرو في البي معناتها شاق فنعيط لهنايا علاش باسكو هذايا هاد لو لون تيرمينال انا رايحه نعيط له بليزيوغ فوا انا رايحه نعيط له بليزيوغ فوا دونك جو بو لا ميتري ديريكتومون لهنايا سا فا ديبوندر دو لوبيراسيون كوم انا عندي افيكتاسيون ايغال ديريكتومون دونك سي كوم سي انا رايحه نزيد لهنايا هذاك ايغال اوبيرون ان اي دي اف كونستانت ان كيلكو سورت اي دي اف كونستانت هنا جو في متر لا كونستانت ولا هنايا جو في متر لي دي اف ولا هنايا سا فا تيتر البيد اي اوتوماتيكمون اي فا سانكريمونتي دو 1 معناتها كي الحق لهنايا جو في ايفالوي لا كونديسيون ومن بعد في لا كونديسيون جو في ابلي لو جو في ابلي لو بي زد سي لا كونديسيون اي سي لا كونديسيون اي فو جو في مو بوينتي فيغ هذا مازال ما عنديش لانستركسيون تاعو مازال ما عنديش لو نيميرو تاع لو كوادروبلي Alors que le QC تاعي il est à 1 maintenant. Ensuite, qui le حق اللي هنا واش عندي؟ عندي A instruction d'affectation. Donc quand je termine le A, je vais rentrer dans l'instruction d'affectation. L'instruction d'affectation, je vais dire les. Elle va mettre dans le premier quadruplé la valeur égale la constante IDF. Et elle va incrémenter QC à 2. Donc il le حق اللي هنا يا fin if, ça va être le quadruplé numéro 2. Le quadruplé, enfin if ça va être le quadruplé, voilà le quadruplé numéro 2. Enfin if ça va être quadruplé numéro 2. Ensuite, donc la fin de l'instruction d'affectation. Ensuite, je vais mettre le BR qui va me permettre de pointer vers la fin, vers la fin du de BR, vers la fin de l'instruction. If maintenant on est en train de pointer vers le quatrième quoique on a même pas dit que le quatrième il vaut combien donc on est en train de garder QC égal à 3 à ce niveau là et je vais mettre à jour le début à else début à else le fait de rajouter le BR le QC taille il va devenir 3 donc il aura le début à else quel est le numéro du c'est comme si je suis en train de sauvegarder le numéro le quadruplé 0 en fait donc le quadruplé numéro 0 début else, il vaut le à 0. Et je vais mettre le premier opérant, je vais le mettre à temp. Temp taï va devenir le à 3. Ensuite, je vais rentrer dans le B. Andy l'instruction if, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter le quadruplé numéro. Qui est la deuxième affectation. Le QC taï, il va devenir à combien? Il va devenir à 4. On va donc le fin if taï. Donc, je vais mettre à jour le champ hadaïa taï, li kan fih fin if. Donc, lehnaïa, l'head l'instruction. Bach n'koulou bli, tu vas te brancher. Donc, numéro tahad le quadruplé, c'est combien? C'est 3, on l'a sauvegardé dans fin if. Je vais le mettre à jour par la valeur de QC actuelle qui est 4. Donc, il me manquait l'hnaya, il me manquait l'appel, la fonction l'hnaya. Soit on va l'appeler à ce niveau-là, bon, on doit l'appeler à ce niveau-là parce que hadaya, c'est un nom terminal. L'instruction d'affectation hadaya, c'est un nom terminal. Claire? Oui, madame, c'est bon. Okay. Je vais juste voir au niveau de. Pardon. Au niveau de l'implémentation, je pense que j'avais implémenté la MIF. J'ai juste cherché au niveau de l'implémentation comment on l'a. Donc, le fichier, un des fichiers Y. Donc, je referme tout ça.
Donc, le fichier quad, le fichier pgm.h, dedans, on a défini la structure quad, qui est un tableau, un tableau de, de 1000 éléments de type quad. Donc, QDR, ça va être l'opération, l'opérand 1, l'opérand 2 et le résultat. Après, on a défini le QC, donc le début canal un 0. La fonction quadre, ça va me permettre de mettre à jour. Les quoi dans les sauvegardes? Comme des chaînes de caractères, on a copié. Ça va être une structure, mais si chaîne de, une chaîne de caractères, c'est des numéros. On va faire génération le code intermédiaire avec le numéro tel quoi de le pli va devenir une étiquette. Bon, c'est des caractères parce que réellement j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Il y a plus A, Y, je sais pas, plus l'opérant le A, un résultat dans Z ou bien égal A, B. Donc ça va être des caractères ou là, des chaînes de caractères. Parce que réellement, machine là, ça représente juste l'opération. Donc, la mise à jour, ça va se faire selon, ce qu'on va mettre comme option. Donc, Ida, je vais mettre à jour le son opération relou 0. Si je vais mettre opérant 1, relou 1. Si je vais mettre à jour l'opérant 2, c'est 2. Si je vais mettre l'opérant 3, ça va être, je vais mettre l'ENAYA 3. Par quelle valeur je vais changer? Par la valeur, mettre à jour, par la valeur qui existe dans le troisième champ. Et quel quadruplé je vais changer? Le quadruplé qui existe, ou le numéro qui existe dans le premier élément. C'est comme si je vais mettre à jour le quadruplé numéro num quad. Le champ concerné par le changement, c'est colon quad. Et par quelle valeur je vais faire le changement? Par la valeur val. Après, au niveau de mon fichier L, il n'y a aucun changement à part l'appel pgm.h. Et au niveau de mon fichier Y, là, on a décomposé l'instruction if. Donc, l'instruction if, on l'a représentée de la même manière hein, qui m'a rahif le code. Donc, on a coupé la grammaire afin de pouvoir ajouter les routines. Donc, où j'ai dit instruction if, ou let les B, mot-clé else, suivi par instruction if. Instruction if, c'est quoi? C'est un nom terminal. Et d'avoir remarqué, tu vois, là, j'avais oublié de mettre dans l'affectation le quadruplé. Donc, je le mets au niveau de l'instruction. Donc, qui a une instruction d'affectation, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre à jour la valeur. Donc, je vais mettre à jour. Je vais mettre dans temp le numéro dans temp dollar 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, la valeur, tu as la constante. Donc, la valeur de la constante, il y a dollar 3. Donc, je vais mettre à jour la valeur. Normalement, temp. Donc, le premier opérant, ça va être temp. Temp, c'est quoi? C'est dollar, c'est la constante. Il y a x égale 5. Donc, au niveau de temp, je vais mettre le 5, dollar 3. Et je vais rajouter le quadruplé qui correspond à l'affectation. Donc, l'affectation de cette instruction, if la première fois, Ah, instruction d'affectation. Au niveau de l'instruction d'affectation. Ici. Je vais l'appeler à ce niveau-là, au niveau du if. Donc, on va mettre l'affectation. Je vais rajouter avec le quadruplé. Le quadruplé, ça va être une affectation de la valeur qui existe dans le temp, dans la valeur $1 qui est IDF. Donc, on va essayer de faire. On met de la décomposition, elle est la même. Donc, on chauffe la grammaire d'y aller. Par quel opérateur on va commencer? Début Kamel.
Je vais d'abord évaluer l'instruction d'affectation. C'est comme ça que nous allons démarrer. Parce que nous allons démarrer la première routine. Nous allons démarrer le mot-clé if condition. Donc, je vais revenir. Le mot-clé if condition. Donc, début tel L, ça va être. Quelle est la valeur du début L? Ça va être la valeur 0. Donc, la valeur 0. Où est le quadruplé numéro 0? Le quadruplé, c'est comme si le quadruplé numéro 0, c'est le BZ. Le BZ, pour le moment, vers quel quadruplé il va me permettre de pointer? Pour le moment, j'ai dit que l'information. Le résultat, donc selon, ça va dépendre du résultat qui va exister dans TEMP. Mais on ne sait pas réellement vers quel quadruplé on va se pointer. Ensuite, donc, Naya, ça va être le mot-clé if condition. Ensuite, après le if condition, au niveau de ma grammaire, il y a une instruction d'affectation. Donc, l'instruction d'affectation, tu vas mettre, donc, l'insertion le quadruplé, ça va me permettre d'incrémenter le numéro du quadruplé de 1. Donc, le numéro du quadruplé numéro 1, je vais mettre l'opération, ça va être égal. Le premier, opérons ces dollars 3. Donc, ce qui existe au niveau du dollar 3, c'est la constante qui se trouve au niveau de dollar 3. Je vais la mettre à quel niveau? Je vais la mettre dans dollar 1. Et dès qu'un x égale. X égale à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre le 1 ou là, je vais mettre le x. Et on va incrémenter le QC de 1. Donc, je vais avoir QC est égal à 2. La prochaine instruction, c'est quoi? C'est le mot-clé else. Donc, la fin de l'instruction. On va donner le mot-clé else. Donc, on est à quel niveau? Donc, on est à quel niveau? Le mot-clé else, if condition. Début tel else. Il est où le mot-clé else? Donc, je vais revenir à ça, en fait. Le mot-clé else, on dit une instruction d'affectation. Donc, on l'a rajouté. Je n'arrive pas à me concentrer du tout. Donc, le quadruplé numéro 1, ça va être l'affectation. On a terminé avec la condition. Donc, l'instruction d'affectation. C'est comme si au niveau de cette instruction, qu'est-ce qu'on va mettre? Fin if, ça va être QC. Faites le cas, QC, il va avoir combien? La valeur de QC, ça va être à combien? Faites le cas. Donc, on a inséré un premier quadruplé ou à 0. Dites-le, on a inséré le quadruplé à l'affectation du else. Donc, c'est 1. Donc, là, normalement, QC, il est à combien? Deux. 2. Donc, BR, on ne sait pas vers quel quadruplé on va se pointer. Parce que ça va être. Normalement, on devait nous pointer vers la fin de l'instruction if. Ça me semble que la fin de l'instruction if. La fin de l'instruction à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre à jour dans la valeur temporaire la valeur QC. Donc, quand je vais mettre à jour la valeur de QC, QC, il va avoir la valeur 3. Parce que j'ai rajouté un quadruplé. Le fait de rajouter le quadruplé, je vais mettre la valeur 3. Et comme je mets l'instruction if, si la condition est vérifiée, donc tu vas me mettre à jour le quadruplé numéro 0, ou le quadruplé, par quelle valeur? Par la valeur qui se trouve au niveau du S. Donc, quadruplé numéro 0, c'est BZ.
Le premier, le champ, hadaya 0, c'est l'opération. Le champ 1, ça correspond à QC égale à 3. Donc, nous disons le champ, nous avons le champ 3. Parce que fait début, quand tu le malabalis, vers quel quadruplé tu vas te pointer. Donc, ici, je vais mettre à jour le quadruplé numéro 0, le quadruplé tel else, par quelle valeur? Par la valeur du QC égale à 3 qui correspond à la fin de l'instruction. La dernière instruction d'affectation si la condition est vérifiée. Donc, l'HNAYA, QC égale que l'HNAYA, on va mettre à jour head le quadruplé. Ensuite, on va remonter dans cette instruction. Si on va remonter dans cette instruction-là, c'est QC d'IALI va avoir quelle valeur? Donc, l'HNAYA KUNNA égale à 3. Donc, l'HNAYA, le QC, il va avoir quelle valeur? On a rajouté un quadruplé. Donc, mettre à jour. On a eu QC égale à 3. On a mis à jour. Donc, il est toujours à 3. C'est bon. Donc, là, on a dans temp. Quelle est la valeur qu'on va mettre à ce niveau-là? On va d'abord commencer par l'instruction d'affectation. Donc, on dit là, l'instruction d'affectation entre les blés, on va rajouter. Égal. Donc le prochain quadruplé, c'est le quadruplé numéro 3. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une affectation. Donc je vais le rajouter à le quadruplé. Ensuite, ma QC d'IALI, ça va être à combien à la fin? Ça va être à 4. Je vais mettre dans la variable temporaire la valeur du QC. Donc, je vais mettre au niveau de temp la valeur 4, la valeur qui correspond à QC égale à 4. Après, je vais mettre à jour le champ qui correspond au numéro du quadruplé fin if. Fin if, c'est le numéro de, c'est le quadruplé numéro 2. Donc, je vais mettre à jour le quadruplé numéro 2 par quelle valeur? Par la valeur qui se trouve au niveau de la variable temporaire. Donc, le quadruplé numéro 2, il se trouve à quel niveau? C'est ça, en fait. C'est le BR. C'est le BR. Donc, là, il y a fait le BR. Quand tu as le quadruplé numéro 2, fin if. Donc, le quadruplé numéro 2, c'est le BR. Je vais mettre à jour le champ inter par la valeur qui existe dans la variable temporaire. Et du coup, je vais mettre un BR4. Réellement, c'est comme ça que ça va dérouler les quadruplés. Donc là, il faut comprendre que l'instruction if, l'instruction d'affectation, on va l'appeler à chaque fois. Donc au niveau de l'affectation, on va rajouter le quadruplé, on va incrémenter le QC. À chaque instruction que je vais appeler, je dois sauvegarder le quadruplé qui va être concerné par la mise à jour. On exécute. Pour mieux voir. Madame, Oui. l'affectation, on n'affecte pas une constante, on affecte un non-terminal, ou avec un non-terminal, faire les opérations possibles. Gagne les opérations possibles, tu vas générer les quadruplés de les opérations. Tu vas utiliser des variables temporaires. Le can rôle, par exemple, ND, je sais pas, ND x égale R plus T plus R fois. T moins ça, par exemple. Donc, où est-ce que je vais faire? C'est comme si on allait générer les quadruplés de l'opération. On suppose que je vais évaluer les résultats. Je vais supposer que le début, dans une variable, je vais faire le moins, par exemple. Mabin T et 1. Et le résultat, je vais le mettre dans T. Donc, on va dire que c'est le premier quadruplé de l'opération. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la multiplication entre qui et qui? Entre R et T. Et le résultat, je vais le mettre dans X. Donc, Madame, elle mais est d'où je là. priorité? Oui, il faut respecter. Oui, vous devez prendre en considération les priorités. Elle est une telle priorité. Donc, hadouma hakda. Elle est la priorité, oui.
Les quadruplés, tu vas les générer selon les ordres de priorité. Donc, mais vers la كيفاش fin. نفيقوا مدام؟ كيفاش نفيقوا؟ كيفاش؟ On l'a défini dans كيفاش le نفيقوا projet. باللي On l'a défini في le projet. لا لا كيفاش نفيقوا في هنا بار اكزومبل كيفاش نفيقوا باللي لازم نروحوا للوينكاي ملتيبليكاسيون بعد سوستراكسيون وكذا Parce que la multiplication, la division, ils sont plus prioritaires que l'addition et la soustraction. Donc, les quadruplés, les dialogues, genre les quadruplés manuellement, ou Oui. une Bon. multiplication des dialogues. Oui. Parce que maintenant, il y a qu'à générer le code, le code exécutable, oui. Ok, man. Donc, pour chaque expression compliquée en quelque sorte, on va générer un quadruplé. Les seules instructions, les macums, on va générer un quadruplé, on met la partie déclaration. Mais sinon, quand même les autres instructions, on va sous forme de quadruplé. On va définir comme par exemple, si on peut par exemple le résultat, on va dans une variable temporaire. On va R multiplié par la variable temporaire. Le résultat, on va mettre x. Donc, vers la fin, qui nous a l'affectation? On est sûr que la partie quadruplée taille. La partie quadruplée taille, on est sûr que le résultat, on va mettre le résultat de l'année rayhan vers la fin de l'année, c'est comme si on dit une affectation directe. C'est vrai que le quadruplé, c'est un résultat d'autres opérations. C'est bon? Oui, madame. Donc, à place avec dollar 1, tu es une variable. Dollar 1, في بلاصة هنايا دولار 1 راح تكون اون فاريابل في بلاصة دولار 1 وي راح تكون اون فاريابل تومبوغيغ سوا اون فاريابل تومبوغيغ ولا اون افيكتاسيون فيغ لا فان راح تكون ا ان مومون دوني راح تكون دولار وكان نقول له على حساب الانستركسيون واش راني حاطه فيها باسكو ريالمون واش راح يصرى تكنيكمون واش راح يصرى هادي تو فالي فالوي من بعد الكوادروبلي الاخر تاعك واش راح يكون راح يكون سي كوم سي هكذا راح يكون نقدر نقول بلي الريزولطا لهنايا نحطو في تامب 2 وفي لا فان كامل راح يكون عندي ايغال سكي اكزيست دون تامب 2 جو في لو ميتر دون اكس صادير هاد لا بارتي كامل ليفالواسيون تاعها راح تكون بار اون يوتيليزون دي فاريابل انترميديير دونك انا رايحه ولا ايه انا رايحه نخدم فوالا دي فاريابل انترميديير و ا لا فان انا رايحه ندير ايغال لو ريزولطا دو سا دو سيت اكسبريسيون جو في لو ميتر دون اكس دونك فيغ لا فان دولار 1 انا رايحه نحطو لهنايا واش Oui. يتبدل لي الدولار دولار هذا يا دولار اللي كنا نقولوا مقبله دولار 3 ماشي راح يولي لي دولار 3 راح يولي لي اون فاريابل تومبورير une variable intermédiaire. Claire? Oui, madame. Madame, pour l'exécution, la même chose. Retrouve le fichier L, comme je l'ai dit, le pgm.h. Fichier Y, vous allez décomposer la grammaire, donc on a fait l'if. Le reste, c'est le même. Donc, comme je l'ai dit, kiff. كيما كنا نديرو من قبل لونسي الفلاكس تاع لو فيشي كي سابيل بي جي ام بوان ال لونسي بيزون سور لو فيشي بي جي ام بوان ايغريك ومن بعد جو لونس جي سي سي فلاكس بوان ايغريك ايغريك بوان سي فلاكس بوان ايغريك ايغريك بوان سي pgm.tab.c moins
Et je dois générer un exécutable, par exemple, moi, oh. Bon, là, il y en a des warnings, mais il m'échappe. Après, le fichier dernier est compilé ou le fichier qui se trouve là. Donc, on est en générer les quadruplés de ça en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer IV. L'exécutable s'appelle MIV et je dois mettre en entrée le fichier xp.txt. Donc, on va générer là. La façon d'afficher avec laquelle j'ai affiché le tableau quad, c'est de cette manière-là. Donc, on a créé une fonction au niveau du fichier pgm.h. Il a affiché les quadruplets. Donc, en tout cas, là, vous avez le choix. Quand vous allez parcourir des quadruplets pour pouvoir faire l'optimisation, soit vous allez utiliser, donc au lieu de l'afficher comme là, je vais les afficher dans un fichier texte. Maintenant, à chaque fois, je vais rajouter un quadruplé. Ou la kim la génération des quadruplés, je vais stocker, afficher dans un fichier texte le résultat de ta tableau, ce qui se trouve au niveau de la structure quad, je vais le mettre dans un fichier. Mais chaque fois lorsque vous allez appeler la fonction qui va vous permettre de faire l'optimisation et générer enfin, vous allez réduire le nombre de quadruplets utilisés pour la génération du code exécutable. Claire? Oui, madame. Chauffeau, je vais vous envoyer le code. Essayez de revoir ça. Et mardi prochain, je vais refaire enfin, je vais essayer de refaire la petite partie parce que là, si vous aurez des difficultés à comprendre, on peut la reprendre mardi prochain avant de faire l'optimisation et la génération du code intermédiaire. Oui, madame, c'est de préférence. Essayez d'abord de préférence de réviser ça. Ben, si vous allez avoir des difficultés, mardi, il n'y a pas de souci. Je vais reprendre de la partie. Parce que je viens. Mais essayez quand même de réviser de la partie. Oui, madame, D'accord? Charles, Charles. Inch'Allah. Ok. Donc à mardi prochain, mardi à 13h normalement. Merci, madame. Donc je vous qu'à insulter, Peter. La prochaine fois, on va faire l'optimisation et la génération du code intermédiaire. Je vais vous proposer de côté comme, c'est-à-dire même si on n'aura pas le temps de terminer avec le TP, essayez de réviser la partie, essayez d'appliquer ça sur vos propres grammaires. Si dès qu'il y a une nécessité, on va essayer de faire une petite révision hein, ou reprendre quelques instructions avant la séance prochaine. Madame, Oui. deadline le 22. Là, le 30. 30 à le 2 juin. Inch'Allah. De toute manière, la première semaine, tu as les examens, vous devez m'envoyer le rapport. Donc, soit le 30, soit le 2 juin. Mais il n'y aura pas une autre prolongation. Madame, Ça si dure on n'a combien? pas terminé, par exemple, la partie sémantique ou bien toujours le dernier délai, c'est ce mardi. Quel mardi? Vous avez envoyé un email que la Sémantique. partie sémantique, c'est pour Et la partie ce mardi. sémantique. Chauffe-eau. Les parties Hadouba qui ont le deadline par partie sémantique telle date, maintenant je vais la corriger parce que vous allez m'envoyer le code. Je vais le prendre en considération. Le code envoyé, les deadlines, je vais le prendre en considération. Ben, vous pouvez terminer le projet quand vous voulez. Et l'évaluation finale, on va revoir le point. Parce que normalement, avant de commencer la partie, head la partie, quadruplé, normalement, la sémantique, à la comme d'Artura. Je peux pas y aller à votre rythme. Donc oui, les deadlines pour chaque partie sont pris en considération. Bon, ben, vous pouvez améliorer le code d'ici le deadline final.
في الديدلاين فينال كي نقول باغ اكزومبل لو 30 ولا لو 2 لو ديدلاين بور لو بروجي معناتها لو جور دو ليفالواسيون جو في با افوار لو كود تاعكم جو في تيليشارجي موا ميم لو كود انفوايي بار ميل و فوز الي اتر اكزاميني سور لو كود انفوايي بار ميل خلاص سي بون Oui, madame. ok donc à mardi prochain